La Maison d'économie solidaire, c'est un projet collectif de 6 entreprises aujourd'hui qui se sont réunies dans une société coopérative d'intérêt collectif pour porter un projet de développement économique qui soit accessible à des publics prioritaires. On a vu très vite qu'il y avait quelque chose à faire autour des déchets. Et à l'intérieur des déchets, on a pensé qu'on pouvait saisir de cette question avec l'entrée recyclerie. Pour ce faire, il nous fallait un bâtiment. On est sur une activité très locale. Les recycleries se construisent autour d'un territoire particulier. On n'a pas vocation à aller très loin collecter des objets, parce qu'il n'y aura plus de logique environnementale. Et puis, surtout ici, ce qui est très bien, c'est qu'on est en face de la déchetterie. Donc on a une complémentarité avec la déchetterie. On est reparti d'un bâtiment qui aurait pu assez naturellement être posé ici, disons dans les années 50 ou 60. Et de faire la démonstration que finalement il y avait une grande modernité dans ces bâtiments agricoles il y a 50 ans, mais qu'il fallait la réadapter et la remettre au goût du jour. Très joli, très harmonieux, très agréable, très lumineux. C'est agréable de bosser à l'intérieur. C'est vraiment... Il y a beaucoup de recycleries qui sont implantées dans des anciennes usines. C'est froid, c'est parfois un peu sombre. Et ici, on sent bien, quoi. On s'est dit qu'il faudrait que ce bâtiment il soit à l'image de l'ambition environnementale que nous avons. Il faut donc que ce soit un bâtiment qui soit le plus écolo possible. Donc, un, il fallait que ce soit une structure bois. Ça, c'était un impératif. Bardage bois, évidemment, autoclave. L'isolant, c'est de la laine de bois pour l'extérieur, de la laine de lin sur les intérieurs. Et le fond de forme, on voulait que ce soit de la récupération de verre pilé. Ça n'a pas été possible. On a utilisé du calcaire. Par contre, toutes les finitions, c'est de la récupération de la tuile du coin, puisqu'on a la chance d'avoir des tuileries juste à côté. De la récup, du produit naturel. L'arrivage ici, les apports se font ici, ou alors on va en chercher chez les gens, et puis après au fur et à mesure, c'est dispatché, et puis on réparer, nettoyer, trier... et mise en magasin. Physiquement, on voit qu'il y a deux espaces. Il y a ce grand atelier qui est, donc, que vous voyez ici avec l'étage sur lequel on est, donc sur une base de 1500 m². Bah là, ici, c'est mon coin officiel, en fait. C'est tout ce qui est électro. Donc je les répare, je les restaure, je les nettoie. Ensuite, là-bas, c'est plutôt atelier un peu de tout, en fait, quoi, un petit truc à faire. Bricolage, on va dire. On a une grande salle de formation, puisqu'on dispense beaucoup de formations. C'est très intéressant comme support de formation, parce qu'on a différentes activités, de la collecte, de la logistique, de la manutention, de la vente. Les salariés qui viennent parfois sans projet professionnel vont pouvoir se découvrir à travers ces différentes tâches. On les remet dans le circuit du travail, donc ils apprennent pas mal de choses. Ah oui, non, c'est une belle chose pour eux. Hein. D'ailleurs, vous leur demanderez, mais ils sont contents de travailler là. Hein. Depuis mars 2010, je m'en suis bien tiré. Mon patron est fier de moi, donc ça va. Donc après, par la suite, à la fin de mon contrat en mars 2011, j'espère trouver du travail très prochainement et grâce à l'entreprise. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des plastiques. 30% des déchets aujourd'hui qui vont à l'enfouissement sont des déchets plastiques. Maintenant, on va commencer, à partir de cet outil industriel recyclerie, on va commencer à travailler sur des filières plus fines qui nous apporteraient peut-être d'autres métiers, mais qui sont probablement une hypothèse d'activité pour demain.